Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour plusieurs recettes en même temps, des briques au air fryer, une shorba frico cookéo, une camounea au cookéo et aussi un smoothie, et ainsi qu'une salade. Alors pour commencer, on va commencer par la shorba. Donc on aura besoin de deux carottes, une branche de céleri, une courgette, une boîte de coriandre ou de persil à votre convenance. On broie quelques minutes, on mixe quelques minutes nos légumes. Dans le cookéo en mode doré, on met un oignon et une gousse d'ail. On continue en mode doré. Dès que les oignons sont translucides, on rajoute 500 g de poulet. On fait revenir quelques minutes. On rajoute les légumes qu'on a mixés préalablement. Et on continue à faire dorer. On rajoute 50 g de petits pois. On rajoute une cuillère à café d'épices à shorba, du sel et du poivre. On rajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées. On continue à faire dorer quelques minutes. Et on rajoute 1 200 ml d'eau, 1 litre de sang d'eau. On remue bien comme il faut pour décoller les sucres et on rajoute 80 g d'orge. Et ça part en mode sous pression pendant 35 minutes. Et après, il n'y aura plus qu'à servir. On passe à la recette suivante, les briques à la viande hachée au air fryer. On aura besoin d'un oignon, une demi-botte de coriandre ou de persil, ou les deux en même temps, et 500 g de viande hachée. On rajoute du sel, du poivre, du paprika, un œuf et une cuillère à soupe de fécule de pommes de terre. Vous pouvez mettre de la chapelure à la place si vous aimez. Donc on mélange le tout. Il faut que notre viande se tienne. Sinon, rajouter de la chapelure ou de la fécule de pommes de terre, de la purée. Alors, je prends ma feuille de brique et là, je vais faire mon petit montage, mon petit samoussa. Donc, je plie ma feuille en deux. Donc, déjà, j'ai coupé, puis après, je plie ma feuille en deux. Je prends une petite partie de viande, je la pose par-dessus, je rabats la première partie. Voilà, de ma feuille de brique, je rabats de nouveau, je crée toujours un angle. Voilà, je ne dépasse pas. Et je continue, je rabats de nouveau en créant toujours un angle. Et là, il reste un petit morceau, je l'intègre à l'intérieur. Donc là, je refais la même chose. Vous voyez, je rabats à chaque fois. Je crée toujours un angle. Et là, je mets à l'intérieur le reste de feuilles de briques. Voilà, je fais le tout de mes feuilles. Et là, ça va au air fryer pendant 10 minutes en mode 240 degrés, en mode maxi grips. On attaque la camomille, donc que je vais réaliser au cookéo. J'ai pris des morceaux de viande que j'ai coupé en petits bouts. Et là, j'ai rajouté du sel, du poivre, du curcuma, du paprika, de la coriandre, du gingembre, une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à soupe de tomates concentrées. Je mélange le tout. Et là, après avoir laissé reposer ma viande, je fais revenir en mode doré. Rissolage, ma viande pendant quelques minutes. Je remue de temps en temps. Après quelques minutes de mode rissolage, je vais mettre 300 ml d'eau. Et là, ça part en cuisson sous pression. Pendant 35 minutes.
Il n'y aura plus qu'à servir. On passe par la salade. Alors, c'est une salade assez rapide, de la mâche. Un oignon. Des tomates coupées en morceaux. Je rajoute à ma salade du maïs. J'assaisonne avec de l'arôme magique. Un petit peu de graines. Courge, tournesol. Des graines de chia. J'assaisonne avec de l'huile de noisette. Et un petit peu de citron. Une cuillère à café de citron. Et ma salade est prête. On passe au smoothie au Thermomix. Rapide, hein, 400 g de fraises, une banane, 200 g de glaçons, 2 cuillères à soupe de sirop de canne et une cuillère à café de jus de citron. Si vous n'avez pas de glaçons, mettez 200 ml d'eau. Plus qu'à mixer en vitesse 9 pendant 1 minute. Et voilà, la vidéo s'achève. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi vous avoir donné des idées pour un bon repas. Je vous dis à bientôt. Bon appétit, à bientôt.